Et donc, salut tout le monde, c'est Flavius Noirceux, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Heart of Iron. Excusez-moi, j'ai bugué, on l'a refait, hip. Voilà, donc on est sur là pour un nouvel épisode sur Mode 33 Darkest War avec la Chine. Précédemment, nous avions libéré les trois quarts de l'Inde, même si c'est maudit. Comment ça, je perds du ravitaillement? Ah oui, on a plus que 16 de pétrole, d'accord. Ça va, ils sont sympas les gars, ils m'encerclent, mais pas trop. Bon, on va réussir notre objectif là. Bon. Alors, oui, aussi, on faisait face à de nouveaux débarqueurs en japonais, mais vu qu'on leur met la misère, disons que... il peut pas y avoir trop de problèmes, je pense. Mais je crois qu'ils retentent des assauts quelque part. Non, c'est bon, on les repousse. Donc, voilà, excusez-moi, je n'ai pas pu publier de vidéo ces derniers jours, j'étais assez occupé. Et il m'est arrivé un truc ce week-end assez intéressant. Eh bien, Coco, je crois que c'est toi qui m'en avais parlé, tu me disais qu'il y avait un film célèbre qui était sorti il y a pas longtemps, 1917. Eh ben, ce week-end, je l'ai vu. Et je vais pas vous mentir, ce film est génial. Je crois que j'ai jamais vu de film aussi génial que celui-là. Alors, bien évidemment, je vais pas poutre. Ouh oui! On leur coule des trucs au Jap! Alors! Oh là là, ce massacre. Et Hanoï, il me bombarde. Non, mais vous allez pas encore débarquer. Attention, là, j'ai Général Chen qui va arriver. Et oui, c'est vrai que là, on a repris du terrain. Donc alors, les 5 divisions, là, on va les remonter. C'est vrai qu'on se disait en cet épisode, on essaye de se faire la peau du Siam. Enfin, on va déjà libérer l'Inde, dans un premier temps, et ensuite, on va faire la peau à l'autre. On va pas trop faire les cons non plus. Que eux, ils arrivent le 28 novembre, c'est bon, ils arrivent dans le jour. Donc oui, c'est un film qui est très bien fait. Vous savez, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, ce film, en le voyant. Bon, j'ai pas fait la Première Guerre mondiale, vous vous en doutez bien. Mais par exemple, il y avait des... les scènes dans les tranchées étaient tellement bien tournées que ça me faisait penser au film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire. Parce qu'il tournait très bien les scènes dans les tranchées, au point que c'était génial de voir ce film. Ah non, je peux vous dire, j'ai vraiment pris du plaisir à voir ce film. C'était très bien tourné, et surtout, il y a un truc qui est bien fait. C'est que ce film, d'habitude les films on te montre pas les tout ce qui est genre ouais on est en plein milieu de d'habitude les films sur la Première Guerre mondiale on vous montre en soi que les tranchées, voilà, c'est bonjour vous êtes dans les tranchées, au revoir. Mais ce film là il change parce qu'au lieu de te montrer les tranchées, il te montre ce qu'il y a autour des tranchées. Parce qu'on a toujours l'habitude dans les films de la Première Guerre mondiale, on voit juste la terre dévastée à des kilomètres à la ronde, et ce film il te montre que bah en fait t'as quand même de la nature qui a survécu à certains endroits. Bon, vous trois, vous allez attaquer. Purée, hein, nos gars, ils vont se faire descendre dans pas longtemps. Les boys vont mourir, les gars. On va attaquer ici également. Victoire instantanée. Et c'est parfait, nos pilotes font un excellent travail. Ah, purée, bon sang. Éliminez-les. C'est quoi? North Mainland, yes. Autre truc qui m'a... Ah, purée, on leur détruit encore navire. Comment défoncer la flotte japonaise en peu de temps? C'est parfait. Par contre, on risque de perdre des troupes, là. Oh, fils. Je veux pas trop essayer de bouger de troupes, hein. Ça en vaut pas trop la peine. Non, et du coup, ça me rappelait des souvenirs, parce qu'il y a longtemps, j'étais allé à la butte de Vauquois, un célèbre lieu de la Première Guerre mondiale, la guerre des mines, plus précisément. Parce qu'en fait, dans le film, on te montre les tranchées allemandes, puis les tranchées britanniques. Enfin, plutôt l'inverse, même. Mais en fait, ce que je m'étais rappelé, je me rappelle avoir visité des ruines de tranchées de Vauquois. Je peux vous dire que Vauquois, c'est quelque chose à visiter. C'est très impressionnant, mais en même temps, t'es surpris par tout ce qu'il y avait là-bas. Vauquois, c'est vraiment champ de ruines, mais... Il y avait même un arbre qui servait de repère, et l'arbre avait été mitraillé. C'est les mecs, ils avaient mitraillé l'arbre jusqu'à ce qu'il s'effondre. C'était vraiment... Vous laissez rien, surtout. Bon, l'ordre de Div, là, ils sont foutus, c'est génial. C'est bon, ils ramènent pas trop de navires dans ce coin-là. Ah, ou d'Apire, on continue de défoncer les Anglais. 1909 soldats, ça va. Et là, ça allait. Ah bah c'est bon. Encore un raid et ils sont morts. Ah non, ils continuent. Ouais, bon, acharnez-vous de toute façon. C'est bon, je crois qu'ils sont morts. Là, on prend la région. Vous arrivez quand au juste, les gars? Mais purée, mais vous me faites suer avec le ravitaillement, voilà. Oh bah tiens, on est de retour. Et Ozawa, je connais pas. Oh purée, il y a la flotte qu'ils ont. Attends, ils ont quoi comme porte-avions?
Io, Iryu, Ikoma, ça me dit rien. Il n'y a pas de Yamato que je le coule. Yamato qui est pas coulé face aux Japonais. Ah, il n'y a pas les Yamato? Ouais, bon, en même temps, ils vont pas m'envoyer comme des cons toute leur flotte. Korik, sois un peu le sensé quand même. Alors, on a coulé un destroyer, c'est parfait. Vous avez arrêté parce que là, on leur a fait très mal et ça, c'est parfait. Après, la question, est-ce qu'ils foncent sur Nanjing? Oh purée, je vais pas perdre des soldats connement ici, quoi. Après, bon, vu le temps qui me bute, quoi. Nos pilotes qui sont maintenant des Yak-4. Ah, bah non, Yak-4, c'est pas ce que ça va être ça. Enfin, bon. Beaucoup de Brésiliens. Oh purée, tout ce qu'il y a là-bas. Ouais. Du coup, mes pilotes, vous pouvez aller où? Mais parfait! C'est exactement où je voulais! Bonjour! C'est nous, encore une fois. Oh, trop loin. Allez, il en reste quoi ici? Ah, mais c'est qu'ils ont encore du monde à ce que je vois. Bon, bah, on va les massacrer jusqu'au bout. Pas de survivants, les gars, allez. Ils se font tous buter. Jusqu'au bout, on vous tuera. Et hop là, une petite division à la poubelle. Et là, on va en sacrer trop britannique dans le nord. Et oui, donc, quand tu vois les tranchées allemandes comparées aux tranchées britanniques, bah, il y a clairement de la différence. Il n'y a pas à nier. Par contre, pourquoi je perds des ressources là? Je reçois plein de trucs et j'en perds plein. C'est n'importe quoi ça, monsieur. Bon, va falloir vite que j'envahisse la Malaisie. Regarde la Malaisie, les ressources qu'il y a. Oh là là. Il y a un peu de pétrole, mais bon, bref, faut surtout que j'envahisse l'Indonésie. Ah bon, on est en guerre, c'est parfait. C'est parfait, on est en guerre, je vais pouvoir vous massacrer un bon coup. Et ils vont arrêter de bombarder ici. Et oui, donc, bah, très bon film. Il mérite tous les Oscars qu'il va avoir. D'ailleurs, pour la blague, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais voyez l'un des deux soldats héros, sans trop éviter de spoiler non plus, et bah, il me fait penser à Édouard VIII. Enfin, il est plus au pouvoir, mais là, mais si vous voyez, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais il ressemble tellement à Édouard VIII que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est Édouard VIII dans le film ou quoi? Phnom Penh, il me bombarde. Hey, vous n'allez pas m'attaquer ici non plus? Ouais, en même temps, c'est vrai que c'est open bar. Il y a un aéroport. Là, s'ils prennent ça, je suis foutu. Sinon, là-haut, ça se passe comment? Bon, mes soldats vont arriver avant, normalement. Sont bardés de partout. Allez, les Japonais, ça va à la poubelle. Mais. Ah non, c'est. Il y avait que mes troupes qui étaient là? D'accord. Je comprends pas. Bon, bah. Toi, t'arrives le 29 et toi, le 18. Ça va pas du tout, ça, les gars. Vous mettez trop de temps à aller d'une ville A à une ville B. Non, du coup, ce. Accord bien sûr avec les Indes néerlandaises. Vous les avez toujours pas envahis, vous. C'est une blague. Vivement qu'ils ont envahi ces Indes néerlandais, vous imaginez comment ça. Comment ça va être génial quand ils vont tout envahir? Bon, toi, tu vas à Bombay, Keting, et toi, Zhangguotai qui est toujours dans la place, au passage. Est-ce qu'ils prennent cher ici? Ouais, ça va. Tiens, c'est encore l'autre là, Deverel, mais ce mec il a fait toute la. J'ai fait toute la guerre, littéralement là. C'est quoi, tu partout? Tu es un résistant, Harry. Et oui, donc. Et oui, autre chose que je voulais parler, et ça bien évidemment, on va m'en vouloir si j'en parle pas. Alors, Coco et Kaizen m'avaient parlé qu'ils avaient prévu de faire un mode sur, je crois, Art of Fighting 4. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu parler et tout. Et là, justement, ils m'ont montré une carte que vous allez voir à l'écran. Alors, le scénario, pour le moment, il n'y a que cette carte-là, dommage. Parce que Kaiser ne tient pas à tout spoiler d'un coup. C'est bien, Kaiser, t'as compris. T'as exactement compris le truc. Comment on dit? Le suspense. Ah oui, le suspense. On l'adore, le suspense. Parce que sur des modes de. Moi, dès que je vois un. Lorsque je suis sur Reddit. Pour voir les nouvelles par rapport à Kaiser Rush et tout, je vois qu'il y a un nouveau mode qui sort, enfin, qui est en développement. Je suis dessus et je me jette. Je fais, oh mon Dieu, c'est magnifique. Dis-moi tout, mon petit. Je suis vraiment en mode, je veux jouer à ce mode. Ma chaîne n'a même pas sorti il y a 2 jours. Jouer à ce mode. D'accord, très bien, calmez-vous, chef. Bon, voilà, par contre, ça va être tendu en Chine. Est-ce qu'attendez, il m'attaque, moi, je me fais défoncer direct. Alors, les trois là, ça va, les Indiens même. Je suis étonné que les Indiens se révoltent pas quand même, hein, mais bon. J'ai pas des pilotes de ce côté-là. Ah non, j'ai plus de pilotes? Oh. Calcutta, bah c'est parfait, vous allez aller ici. Fait trop mauvais temps, et allez, il y a le dieu du tonnerre qui se ramène.
Non mais qu'il aille se faire. Donc oui, vous allez voir la carte à l'écran maintenant. Ou un peu plus tard, ça dépend. C'est bon, nos soldats sont ravitaillés. Wouhou! Bon, bah les gars, on y retourne. Bombay, ils peuvent débarquer à Bombay? Non, c'est parfait. Mais vous vous débrouillez, hein, on va trouver à votre place. Le général Pon Noël qui n'a pas peur. Donc le scénario, c'est Lénine n'existe pas. Enfin, quand je dis n'existe pas, moi j'ai du mal à me dire, tu peux pas. Enfin, excusez-moi de dire ça, les gars, mais c'est un peu perturbant. Bon, après, c'est peut-être la manière dont tu as dit Coco qui me perturbe. Mais dire si telle personne n'existe pas, c'est assez compliqué. Je pense que vous vouliez peut-être dire que, genre, l'Okhrana, les services secrets russes, ont descendu Lénine avant qu'il arrive au pouvoir et tout. Donc, du coup, il n'y a pas de révolution russe. Alors, et du coup, la Première Guerre mondiale a eu lieu en 1911. Parce que pour l'anecdote, on a failli éviter une guerre en. Parce qu'en fait, l'Allemagne voulait nous piquer nos colonies d'Afrique. Enfin, c'était surtout le Maroc, hein. C'était même pas une colonie, c'était un protectorat d'ailleurs. On note qu'on pouvait facilement livrer cette colonie. Mais bon, on était dans une ère où on était en mode nationalisme à 100%. Donc, larguer une colonie, c'était baisser son pantalon face à l'Allemagne. Et ça, c'était pas franchement. C'est pas trop ce qu'on voulait à l'époque. Merci les Soviets qui m'aident à libérer l'Inde. Ils m'aiment bien les Indiens. Oui, ils m'aiment. Je peux libérer l'Inde du coup? Oh là, tout ce qu'on peut libérer. Bah, Birmanie, oui, on disait qu'on attendait encore un peu. Je peux pas libérer le Bengale. Ça doit être le Pakistan alors. Cambodge, Laos. J'aime bien le drapeau de Cambodge. C'est pas celui-là parce qu'ils sont communistes, mais bon. Népal, Bhoutan. Je vois même pas l'intérêt de les libérer. Au pire, on les donnera à l'Indien sans en faire mieux usage que moi, mais bon. Cette magnifique progression de nos troupes. Oh, attendez, il se passe quelque chose à Guangzhou. Oh là là! Oh là là, les vilains! Mais monsieur, c'est pas bien du tout! Monsieur, 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 je. Non! Et bien évidemment, mes pilotes sont à 50 km. 150 km. Dites-moi, vous pouvez bombarder d'ici. Oh, purée. Je vais devoir jouer à un jeu dangereux, ça veut dire mettre mes pilotes là pour. C'est même pas l'aéroport le plus près possible, quoi. On va tenter le coup au pire. Oh purée, plus de pétrole, mais vous me cassez les pieds là. Voilà, bon. Attaque navale ici, vous me stoppez les ricains. On va voir s'ils vont vite aimer les bombes dans la figure. Par contre, j'ai intérêt à vraiment faire gaffe parce qu'au moindre fail de ma part, c'est tous mes gars qui meurent. Du coup, là, ils tiennent. Ça va, ils tiennent quand même. Oh attends, les mecs m'envoient de la garnison. C'est Custer Division. Alors vous, si vous débarquez, vous allez connaître de nouveau ce fameux débar cette fameuse bataille qui était Little Big Horn. Je vous déconseille. Oui! 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 Yes! On les a et on va couler une division. Oui! Quoi? Attends, les mecs, j'aurais défoncé une division, mais ils me repoussent quand même. Merci, le soviet qui est. Oh là là, le soviet qui est au moins à l'affût. Bon, les pilotes. Là, les pilotes, va falloir fuir, hein, parce que si je vous perds, je vais vraiment péter un plomb. Hop. Ouh, c'est pas passé loin. Oh! Eh, mes pilotes, on est passé à 2 cm de les voir tous crever. Oh! Et bien sûr, ces salauds qui débarquent là, bien évidemment. Bah attends, j'ai des troupes là. Pourquoi je défends là? Il n'y a même pas de plage. Je suis con ou quoi? Je défends un truc, il n'y a pas de plage. Bon, le soviet, va falloir que je te renvoie à la mer, hein. Je vais pas y aller de main morte. Ah non, 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 non. Bon, bah, c'est parfait, on est en train de récupérer le. Ah, ils m'ont repoussé de ce côté-là. Pas exactement ce que je cherchais à faire, mais bon. Et oui, donc votre. Donc, oui, Lénine est mort. Donc, la Russie en. Et oui, donc en 1911, pardon, et ben, on a évité la guerre mondiale de justesse parce que, en fait, on a fait aux Allemands, bon, on se partage le Congo, ça vous va. Les Allemands, ils étaient en mode, ouais, mais bon, on aurait bien voulu le Maroc. Sinon, c'est la guerre. Bon, ok, prenez ces colonies-là alors. Du coup, voilà, on a échappé de justesse à une guerre mondiale qui aurait été, je pense, très en notre défaveur, parce qu'en 1911, il n'y avait pas vraiment les alliés avec nous. Et ce scénario-là, c'est ce qu'ils ont fait, donc. C'est un scénario où, donc, les Allemands. Oui. Où les Allemands, du coup, vont. Je perds mon ravitaillement, et bien sûr. Bien sûr, mais j'ai plus de pétrole. Attends, ils me proposent quoi, les deux? Pétrole, pétrole, mais filez-moi vos ressources tout de suite! Je me bats pour le. Je me bats contre le capitalisme. Jiangmen, yes! Toi, je vais te repousser à la mer immédiatement. Ah! Attends, ils ont pas coulé? Mais c'était un foutage de gueule! Il y a combien de navires à chaque fois qui sont contre moi? C'est pas possible qu'il y ait autant de navires en mètre carré, quoi. Bon, on va encore mettre 100 ans à les virer. Oh, et bien sûr, il y a les autres qui me bombardent depuis à ce moment-là.
Mais vous êtes contre eux! Elle vivement. Purée, génial, je me prends deux bombardements, déjà 15, c'était pas suffisant. Comment ça, j'ai perdu. Ah, d'accord, c'est en plus de ça, vous débarquez à côté de moi, mais. Mais d'accord, d'accord, messieurs. Oh, fils, il me débarque dans le dos, quoi. Oh! 6 divisions en plus, ils vont pas de main morte quand même, les gars. Là, faut vraiment qu'on défende. Purée, moi j'ai plus de ravitaillement. Pile, à ce moment, pile au moment où j'ai plus de, où j'ai besoin du pétrole le plus vite possible, j'ai plus de ressources. Qui c'est le singe qui est responsable de ces conneries? Que je fusille un grand coup. Je te jure, les mecs sont même pas foutus de me filer des ressources. Bon, le turc, dis-moi que t'as du pétrole parce que là j'en ai franchement besoin. Pas de pétrole, bien sûr. Oh oui! Tu me donnes ton pétrole. Parfait, voilà. Exactement ce qu'on voulait. Première chose qu'on va faire, on va bombarder. Mais non, vous trompez de province. Donc oui, la France est devenue un empire un peu Bonaparte. Donc je présume que c'est les Bonaparte qui dirigent. Mais je pense que oui. Ah, ah. Ça fonctionne. Eh yes, ils ont... Oh mais c'est quoi cette armée pourrie? Bon, en vrai pourrie, ils m'ont quand même débarqué dans le dos. Et c'est bon, on commence à pousser. Faut pas qu'on leur laisse le temps de s'organiser. Mais bien sûr, les gars, avec pas grand-chose, vous me repoussez quand même, hein, c'est... Bonjour, le... Bonjour, la logique. Bon, les Japonais débarquent en Inde en... actuellement, c'est un peu... un peu voilà, quoi. Bon, Handblue qui va aller prendre cette province-là. Non, sinon, l'Angleterre, j'ai pas eu de précision, mais apparemment, l'Angleterre, ils ont... Je pense qu'ils ont dû subir, ils vont subir le même sort que sur Kaiserreich. Peut-être un état communiste, enfin, j'ai des doutes. Ouais, sinon, on a l'Allemand. Alors, on note que l'Italien, dans le scénario, a rejoint les Allemands. Oh, le petit salaud, il nous a backstab. Pourquoi je perds autant? 5. Mais comment je fais pour perdre autant de pétrole au mètre carré? Bien sûr, j'ai pas de décision qui pourrait me faire du pétrole en plus. Ça, on aurait tous aimé, mais bon. Mais regardez-moi ces singes. Vous me bombardez alors qu'on est dans... Alors qu'on se... Oui, bon, hein, tant pis, je vous hais de toute façon. Le mec qui rage tellement qu'il insulte l'IA. Ça va pas changer grande chose, mais au moins ça me permet de me défouler un tout petit peu. Ah, c'est bon. Étrangement, on parvient à vous repousser. C'est arrivé le 3 janvier, c'est parfait. Et on les repousse. Allez, le petit débarquement pourri qu'on va repousser. Faut vraiment pas qu'ils prennent Calcutta, parce que si on perd Calcutta, les gars, ouais, disons se prendre une petite raclée dans le dos. Bon, on va ramener des troupes de ce côté-là, parce que ça me... Merci Soviet qui lui au moins a des avions. Vraiment je reprenne Haïku parce que purée que là les gars ils vont me casser les pieds. C'est bon, notre pétrole ça a pas l'air de couler trop vite. Vous allez attaquer ici. Faut qu'on prenne. Allez, on repousse les Anglais. Ah, ils ont débarqué trop tard. Bon là je suis obligé de laisser. Bombarder également ici. Là, les pilotes, faut que je les ramène. Pour une peine, non. Pourquoi j'ai mes pilotes qui sont à Delhi, moi? C'est vraiment pile au mauvais moment, j'ai pas les bons pilotes. Bon, allez, vous dépêchez-vous. Ashan, maintenant, mais si vous avez pas me débarqué, vous avez pas débarqué à tous les mètres cubes de territoire de Chine, quand même. Bah, si, je crois qu'ils vont le faire, en fait. Bon. Ah. Mais bon sang, je te demande de te redéployer. Voilà. Je te jure, je vous jure, avoir des imbrutis dans ce gouvernement, ça... Despour, on les repousse. Eh les gars, vous pouvez le faire, vous pouvez les repousser. Et là, vous me les bombardez également. Bon, le japonais, à ce rythme-là, on va finir par le couler. Enfin, niveau troupe, il va plus rien rester du japonais. Attaque navale. On y va. J'aime Despour, ouais. Les renforts vont bientôt arriver. Ça va, on les tient quand même. Bon, ils me font un peu... Ils font très mal, mais... Oui, Boyassi, oui! Coucou, Spanier, américain. Allez, bim! Oh là, mais d'où ils sortent autant de divs? Ce qui m'étonne, c'est que les ricains, ils aient autant de distance pour... Ah bah oui, ils ont cette région-là, quoi. Bien sûr, là, les mecs, ils avancent parce que les autres abrutis, ils n'ont rien trouvé d'intéressant que de me bombarder. Et oui, donc c'est un scénario que je trouve très intéressant. Alors après, Coco m'a lancé le défi de deviner ce qui pourrait se passer. Alors, dans ce scénario-là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben, déjà, je pense que niveau Amérique, va forcément y avoir du changement. Parce que je vois mal l'Amérique
Soit l'Amérique, je pense, soit l'Amérique, elle a rejoint l'Allemagne, mais je vois mal Roosevelt. Non, c'était en 11, en 1911, c'était Roosevelt ou. Non, c'était pas Roosevelt en 1911. Enfin, je vois mal qui, à l'époque, aurait soutenu l'Allemand, mais. Enfin. Vous m'avez compris. Commerce international. Mais je m'en fous de votre commerce international, je suis en pleine guerre! Et oui, là, on les défonce. Dès qu'on les attaque, ils vont couler, c'est parfait. Sinon, mes pilotes, vous foutez quoi? J'attends des renforts, moi, hein. Je vous. Yes! On a gagné de ce côté-là, parfait. Toi, tu fonces ici. Toi, tu restes ici. On a intérêt à faire gaffe. Bon, ça se battre au Pakistan maintenant. Enfin, on est déjà au Pakistan depuis un moment, c'est juste un peu l'Himalaya dans ce coin-là. Attends, j'ai une super idée. Puisque lui, il a l'idée de venir d'attaquer là, bah vas-y, je t'attends. Kragapour, ils m'ont repoussé, quoi. Les mecs, ils se prennent 50 milliards de bombes. Oh non, ouais. Non, 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 on peut pas perdre, nous, hein. C'est armée impériale, les soldats armée impériale, ils meurent jamais. En tout cas, on les défonce, hein. En même temps, ils ont pas de. Par contre, Guangzhou, là, en prenant Guangzhou, ils m'ont pris un gros port, là. Ouais, c'était pas le meilleur truc qui pouvait m'arriver. En vrai, je suis tenté de les laisser avancer à Mao Ming, mais ils vont avoir un port. Et là, du coup, ça va être encore la merde. Bien sûr, mes pilotes qui mettent 100 ans à se redéployer. Enfin. Attendez, on va baisser là parce qu'on n'a vraiment pas le choix. 5. Voilà. Là, il faut une ou deux journées et ils y retournent. Et la gauche, ok. Crazy unité commando. Écoutez, les gars, je suis déjà assez occupé là. Vous n'allez pas me faire des commandos dans la face. Oui, donc je pense que, vu comment Coco. Je présume, Coco, que vous avez fait éclater le rage. C'est obligé que le rage, pour moi, il est. Pour moi, vous avez fait péter le rage en 50 000 états. Je dis pas que j'aime pas, mais ça me fait toujours rire, ça, de voir des pays. Boum! Allez, deux transports. Je peux même pas savoir s'ils sont pleins, c'est le plus chiant. On leur a qu'à péter une unité. Mais qu'est-ce que vous foutez? Mais les mecs, ils balancent des bombes et les bombes, elles explosent pas. Le Xinjiang nous envoie des troupes, merci beaucoup, mais bon, là, franchement, on a plus besoin de d'autres choses. C'est bon, là, on commence alors. Eh bien, bien évidemment, une contre-attaque. Les gars, on n'a plus de ravitaillement, et si on gagnait la bataille? Ouais, pas mal. C'est pas crédible. Vous pouvez pas me faire croire que je perds, alors que je suis en supériorité. Non, ça, vous pouvez pas me faire croire que je suis nul à ce point-là. C'en est presque insultant de me dire que des soldats en train de crever de faim sont plus forts que des soldats qui sont armés de fusils et qui sont entraînés. Non, là, les gars, ça devient insultant. Et allez, ils me prennent mon territoire en plus de ça. Au point où j'en suis, hein. Voilà, on va réinstaller une base de ce côté-là. Pas une très bonne idée vu la situation actuelle, mais bon. Pas trop le choix. Phnom Penh. Comme d'habitude, je prononce mal le nom de cette ville. Oh, Boyassi, on a gagné, oui! Un navire coulé, hein! Alors, mon cochon! Ah, King! Ah bah, tu as pu être le King très longtemps, vu ce que je vais te mettre comme raclée. Voilà. Ils ont encore trois divisions. Est-ce qu'on tient? C'est même pas des marines, c'est des garnisons. C'est les gars, ils sont pas dit, non, on va pas envoyer des super soldats, ils vont juste m'envoyer des garnisons. Ah, gourou, j'ai peur. Oh mon dieu, j'ai très peur. Quoi? Des garnisons! Oh mon dieu! L'ennemi a vraiment l'intention de nous faire la peau. Trop loin, bien évidemment. Plutôt envoyer ces deux-là à Beijing pour se. Bering, pardon, pour s'en occuper du problème. Après, la Chine, je sais pas comment ça pourrait être aussi différent que dans notre monde. Enfin bon, comme je vous le dis, on verra ça bientôt. Ce côté-là, on progresse. Bombay, on va quand même mettre une garnison de ce côté-là. Hop, 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 hop. Voilà. Les soldats ont enfin du ravitaillement, du coup, des soldats avec du ravitaillement, étrangement, ça avance beaucoup plus vite, hein. Je dis ça à titre informatif, mais ouais. Généralement, ça, c'est en meilleure posture pour se battre. Allez, là, on va y repousser. Ah, je peux vous dire, quand on va récupérer toutes nos divisions qui auront fini le boulot contre les Anglais, ça va moins rigoler. Oui, c'est bon, là, on les repousse en plus. Et bien sûr, ils vont faire déployer mes divisions. Ah, Yu Gao Gang en plus. Ah, fais suer. Bon, Gao, tu vas ici. Je vois même pas comment mes divisions se déploient aussi vite. Enfin, pourquoi elles sont là alors que j'aurais plus besoin d'elles à un autre endroit? Bon. En tout cas, la situation est toujours la même. On a toujours besoin de bombardiers navaux. Parce que sans eux. Ouais, mais tes tacs, ça me sert. Ah, oh, elles sont tout en bas. Oh, fais suer. Je pense qu'on va arrêter les.
Ouais, ça, on va arrêter. Mais on en a deux, donc ça devrait aller. Sur leur pont, Guangzhou. Et ça va passer. Et c'est passé à Guangzhou, yes! Allez! Allez, ça dégage. Sinon, les autres qui ne font toujours rien. C'est génial d'avoir des pilotes dont le seul objectif, c'est de laisser crever leurs copains, quand même. Ouais, la Chine, je vois pas en quoi... Je vois pas comment vous auriez... Moi, à la rigueur, peut-être la Chine, c'est genre fracturer 5-6 pays et... Après, vraiment la Chine, je suis désolé, mais je ne vois pas comment, je vois pas comment vous auriez fait pour la Chine. Bien sûr, ils ramènent des soldats, hein, c'est, nous mourons de faim, enfin, on est encerclés, on est en déroute, mais non, on ramène paisiblement des soldats. Pourquoi vous n'êtes pas redéployés? Oh là, je te jure, il va y avoir des gars, ils vont se refusiller quand même. Mec, ils sont même pas foutus de se redéployer, moi, à partir de là. Attends, on va régler le problème ici, hein, parce que, voilà. Oh non, vous avez pas encore créé des navires, les gars, sérieux, j'ai déjà la moitié de votre armée contre moi, ça va... Écoutez, les gars, je vous en prie, j'ai trop de troupes contre vous. J'ai trop de... Merde, j'ai trop de troupes contre vous, je peux pas gérer. Je ne peux pas vous test, tout débit... Mais bon sang, je vais réussir à parler aujourd'hui. Je voyais bien que je ne peux pas test le glorieux empire britannique. N'insistez pas, les gars, c'est non. Bon, on va ramener des tanks ici pour leur mettre la misère. De toute façon, ils ont... Ah, ils ont un peu de ravitaillement ici, mais bon, ils ont pas l'air d'avoir les moyens de tout ravitailler. Mer de Boya. Ah, attendez, on est encore en train de bombarder les Ricains, mer de Boya. Oh, ils vont les repousser. Mais comment vous faites pour tous les louper? Ça devrait pas être possible. Ah, Hong Kong leur fait la misère, apparemment. Bah oui, apparemment, vous avez pas toujours des soldats. Toi, là, tu bouges un peu trop pour moi. Oups! Général Davis, ce serait trop drôle qu'il y ait Patton ou un truc du genre dans la région. Attention, Patton est là pour nous mettre la misère. Vous avez déjà fini l'assaut de ce côté-là? Guangzhou, je me bats. Je me fais contre-attaquer à Guangzhou, je comprends pas. Bien sûr, mes trois... Eh, l'armée rouge sont plus rapides que moi, ça en devient insultant, quoi. Sérieux, nos hommes sont habitués à marcher depuis le début de la série, on n'est même pas fichu de faire 3 km. Ouais. Ils ont encore... Ouais, ils auront toujours le ravitaillement, ça c'est bien connu. Ce qui est quand même impressionnant, c'est le japonais, comment on lui met la misère, et le mec parvient de nous ramener de la division, tranquille. Bonjour, soldat de l'armée qui ressort de je sais plus où. Tiens, on a un général qui est gradé là. Bah attends, j'ai gradé. Oh, mauvais bouton. J'aime des spours, on perd. En même temps, je sacrifie mes hommes par vague entière, comme l'armée rouge en 40. Enfin, en 41, pas en 40. 40, on s'en serait souvenu, mais bon. Ouh oui! Bon allez, je sacrifie un peu de pétrole, mais toi, c'est la priorité. Tu dois me descendre ces unités. Et merde, bien évidemment, les gars vont plus vite. Allez! Mais vous focalisez... Mais ils sont cons. Les mecs, tu leur demandes de bombarder. Bon, on va focaliser, les mecs sont à côté. Non! Vraiment devoir envoyer des renforts comme ça. Bon, vous allez aller là. Normalement, vous devriez arriver à temps. En plus, regardez, ils sont à rien de lâcher. Comment vous m'expliquez que les gars tiennent jusqu'à la mort? En tout cas, l'armée impériale, ils sont efficaces, leurs soldats. Ah, la Wajban, on a gagné. Et allez, on est aux portes de Karachi, bim! Merde, Boya. Ah. En même temps, si vous tuez personne, vous m'aidez pas trop, hein. Ces mecs sont tellement cons qu'ils parviennent même pas à buter un gars, quoi. C'est. Et bien sûr, ils ont le temps d'arriver, sinon ce ne serait pas drôle. Et bien évidemment, l'armée du grand Kim Il-sung n'est pas là également. Ah, je vous jure, les renforts de nos jours, il n'y a personne qui attend, quoi. Vous m'énervez à débarquer toujours au même endroit. Sérieux, ayez au moins l'originalité de débarquer à un endroit où je... Où j'ai des troupes, ce serait plus marrant. Bon, c'est un peu con dit comme ça, mais voilà, quoi. Bon, vous continuez les massacrer, je suis pas sûr qu'il y aurait des soldats... Qu'est-ce que j'ai dit, soleil, foutu à... Il n'y a même pas de port, là. Voilà des renforts qui vont enfin servir à quelque chose. Despour. Les renforts vont pas tarder à arriver. Ouais. Non, mais en tout cas, je suis impatient de voir ce que ça va donner, ce scénario. Donc, voilà, j'ai affiché la carte pour que les abonnés puissent voir, pour le moment, ce qui est prévu. Mais, je pense... Non, j'allais dire une Allemagne fracturée, mais non, ça, c'est pas... L'Allemagne a gagné. Après, qu'est-ce qui pourrait se passer pour l'Allemagne dans ce scénario? Une Allemagne fragmentée, je veux bien, mais après.
Ouais, problématique, problématique. C'est vraiment, là, je bloque. J'avais plein d'idées il y a quelques jours lorsque j'ai lu le commentaire de Coco, mais là, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout ce qui pourrait se passer. Il y a encore combien de plages à surveiller? Il y en a une, deux plages. Oh, bah, ça va. Ce côté-là, on en a deux. Et en plus, c'est encore un aéroport, donc surtout pas perdre. Sinon, ce serait encore pas drôle. Trois divisions qu'on va aller envoyer tout de suite sur un autre front plus intéressant. Là où non, on va les renvoyer sur le front thaïlandais. C'est bien si eux ils bombardent, mais par contre ils ont réserve infinie, donc je ne peux rien faire. C'est mon enfant bâtard d'arrive. Ils arrivent le 2 janvier. Sérieusement, mais vous foutez de moi. Les renforts qui mettent 100 ans à arriver, ça te désespère un grand coup. Mère de Boya, allez! Toujours plus d'anglais à l'eau! Enfin, de ricains à l'eau, mais bon. Bon, j'ai encore besoin de mes bombardiers. Décidément, mes bombardiers, ils sont aux quatre coins du monde. Bon, vous allez devoir venir ici parce que vos copains sont pas foutus de tenir ce front. Ah là là, les Américains. Je suis impatient de leur défoncer toutes leurs troupes. Ah bah merci! Et les renforts, je les attends depuis 50 jours. Qu'est-ce qu'ils font? Ah bah on arrive que maintenant. Vous pouvez attaquer, vous, allez. Ah, je vois que... Division Liberty, c'est nous la liberté, c'est pas vous. Voilà, on leur défonceur tout, comme ça. Parfait. En fait, j'aurais même laissé Soviet se faire. Soviet gère beaucoup plus, beaucoup mieux que moi, en fait. Ça en devient bah, toujours plus insultant. Voilà. Ici, je vois mal comment ces messieurs vont tenir un front. Mais s'ils parviennent encore à tenir, je vais commencer à réagir. Voilà. Je pense, messieurs, que vous n'allez pas tenir ce front éternellement. Et vous n'avez pas des stocks de troupes infinies. Allez pas me faire croire le contraire non plus. Voilà. Japonais, ça va finir à la flotte. Décidément, il va y avoir tellement de soldats qui vont mourir dans cette guerre que... Même la deuxième guerre mondiale, notre deuxième guerre mondiale à nous, petits joueurs. En tout cas, les plaines de Chine vont être très fertiles, ça c'est à noter. Hop. Infanterie 39, magnifique. Pourquoi ce sont... Ouais, c'est normal après tout, ce sont les seules unités les moins utiles qui bombardent là. Un jam d'espoir me suffit battre. En même temps, si c'est demeuré, il savait mieux franchir. Quand tu dis à tes soldats d'aller là... Il y a forcément une raison. Voilà. C'est bon. Ah voilà. Allez, Elricain, bye bye. Allez, tu vas me faire un... Hop là, bah c'est parfait. Ils sont où, les Américains? Eh ben, ils sont morts, les enfants. Ils sont au goulag, maintenant. Et maintenant, j'ai des petits bombardiers. Bah justement, ils attendent également qu'on tue les Américains. C'est parfait. Par contre, on est en 41, on va bientôt être en 41 et on a... Eh, au moins en une année, on a quand même repris du terrain. Ashan, ils sont là. Je suis désolé, mais je suis assez acharné avec vous. Oui, bon, excusez-moi, mais bon... je suis en rage. Je suis pire que Hitler dans son bunker dans la chute, quoi. Littéralement. C'est l'AVC dès que j'apprends qu'il y a un débarquement. Alors, purée, quand t'apprends qu'il y a... Oh bah, c'est magnifique, ça, monsieur. Monsieur, je vois que vous n'avez pas les moyens de résister. Bon. La Merloc exterminée, parfait. Bon, en vrai, je suis vraiment tenté de faire les 40 contre les 48 divs, mais là, en vrai, même mon crétin d'allié, enfin, excusez-moi, mon superbe allié ne se rend même pas compte. En vrai, est-ce que si on prend Calcutta... Ouais, en fait, on peut vite striker l'autre. Mais il a... Bon, oui, on attaquera au prochain épisode. Ouais. Je vois très mal comment je pourrais les abattre facilement. Donc ouais, ces petites fouines d'Américains. Ah bah oui, en même temps, il y a les Philippines pour débarquer. Ah bah ouais, facile, hein. Bon. Vous me repoussez ça encore une fois. Bien sûr, ils ont appliqué toutes les divisions ici. Carrément. Carrément, carrément, carrément. Mais les gars, en tout cas, vous perdez pas le nord. Vous perdez pas le nord, vous amassez des troupes à l'autre bout du monde. Eh ben c'est bon, on a encerclé les... On les a encerclés, eux. Toc. Allez,
Sa Majesté va avoir quelques problèmes actuellement. Cinq minutes. Purée, il faut que je m'arrête, sinon le montage va prendre trop de temps et je risque de ne pas être à l'heure dans les, enfin d'être dans les temps pour voilà ma vidéo. Oui. Alors l'oncle Sam, on fait moins le malin. Je m'en souviendrai, ça. Je t'assure que la prochaine fois que je te crois, je te fais la peau. Non, mais. Le mec, il croyait rentrer en Chine comme dans un moulin. Mais il y a des douanes, il y a des ports. Ah, Karachi, victoire, on a massacré le gouvernement britannique. Ah, c'est parfait. Voilà, enfin, des bonnes nouvelles. On me dit jamais de bonnes nouvelles, on me dit juste que je me fais repousser aux quatre coins du monde. Tu parles d'une bonne nouvelle? Ah oui, là, on va mettre deux divisions ici. Attends, toi, je vais te mettre là. Ouais, bomber au final, on risque pas grand chose. Parce que, bon, c'est bon. À moins qu'il me para, mais on n'est pas en guerre avec Portugal. Portugal fasciste au passage. Ah hein ouais, ça commence à sentir aussi pour les démocrates là-bas. Oh, si tu es un démocrate, bon, bonne chance. Bon, les gars, maintenant, vous continuez. Tuez-les tous. Oh, ils ont même plus de ravitaillement. Ils ont que le ravitaillement. Ah oui, 98, mais bon, vu comment on les étreigne. Bon. Allez, les tanks à l'attaque. Ok, mes tanks, on a perdu deux tankistes. En fait, on les a regardés, on leur a fait. Eh, bonjour, les cons. Ils nous ont tiré dessus, on a perdu deux gars. Ouais, peut-être que j'ordonne à mes soldats d'arrêter de faire les cons aussi, hein, mais. Qu'est-ce que vous voulez je peux pas gérer toute cette armée-là, en fait. Pourquoi j'ai autant de troupes à Rangoon? C'est pas. Non, c'est pas. Et... Ah ouais, c'est de la milice après, ouais. Voilà. Déjà, ça sera plus efficace que mes pauvres milices. En vrai, si on va... Faudrait quand même que je mette mes tanks. Au moins une division de tanks. Est-ce qu'on a des tanks de ce côté? Karachi, ils attaquent Katmandou. Ils se déplacent. Purée, mes cocos, qu'est-ce que tu fous là? C'est mes gars, ils sont là depuis des années. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais bon. On a des alpinistes. Est-ce qu'on a des montagnes dans le sud? Parfait, on a des alpinistes de ce côté-là. Et ça, ah bah zou en les, bah alors voilà. Peut-être que je pense à te faire maréchal. Allez, hop. Parfait. Et tu vas... Ici, gagne. Ouais, là, le truc, ça va être vraiment de foncer sur Bangkok. Comme ça, on les démonte. Et si on parvient à faire tomber la Thaïlande, ça peut être quand même un bon avantage. On va pouvoir enfin se débarrasser de leurs 48 divisions. À moins que leurs 48 divisions me font la peau. C'est une possibilité à envisager, en effet. Bon, là-haut... Là-haut, les gars se battent à mort, mais... Je sais même pas avec quelle énergie tu peux encore penser te battre jusqu'au bout, mais bon. Ah bah c'est bon, on va gagner. Hyderabad. D'accord. Je vois pas trop l'intérêt de cette offensive-là, mais bon, si vous le dites, les gars... je veux bien, mais bon. Ah, c'est Zou qui dirige les tanks, en plus. Eh, balèze. Que nos pilotes vont être... Oh bah ils sont tous morts, mais c'est parfait. Voilà, pour finir cet épisode, un petit massacre. Donc j'espère que vous aurez bien aimé cet épisode et je vous dis à la prochaine.